connaissances. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, salut Lila. Salut ma Lila. Oh, bisous, bisous, c'est des petits chiens, ça. Voilà. Donc maintenant, tu vas travailler ton rappel sous diversion. Voilà, c'est sa façon de saluer. Allez, rappel. C'était presque. Voilà. Les chiots savent que c'est une adulte. Voilà, elle a percuté, bravo. Dis donc, tu peux féliciter. C'est très bien, voilà. Laisse communiquer. Et tu pars en courant et tu rappelles. Oui, dommage, tu l'as perdu. Voilà, tu as droit même d'ouvrir le tunnel, elle l'aime bien, donc ouvre-lui le tunnel pour qu'elle rentre. Fais gaffe, de l'autre côté, il y a les quilles. Très bien. Très bien, Lila. Hey, c'est une bonne fille, ça, Lila. Bravo, Lila. L'autre, mais t'es grande quand même. Ah, vous avez de la pure communication, Camille. Voilà, c'est bien. Lila, elle connaît la porte. Hein. Non, tu n'es pas. Ça, c'est du très bon chien, Lila. Très bien. Mais ça, c'est un très bon chien. Très, très bien, Lila. Mais oui. Allez, à toi. Je crois qu'en fait, je vais l'acheter moins. Sa maîtresse se démène. J'ai le film là, elle se démène. Je triche. Alors si vous regardez, là, voilà, c'est parti, c'est bien. Ça c'est bon chien. J'adore la communication. En fait, t'es obligé de rester assez loin parce que sinon ça va la renforcer. Il va falloir qu'on arrange nos portes quand même. Parce que ça serait Jasco, il serait passé déjà. C'est bien, voilà. Voilà, rappelle-la, profite-en. Aller passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les rendre agressifs. Et le petit canet, voilà, c'est bon, ça va partir. Ça veut partir au jeu, mais c'est pas possible à cause du grillage. Mais au moins, on apprend à Lila, qui veut absolument ouvrir la porte. Ouais, c'est ça, mais je la connais. On apprend à Lila à bien se comporter derrière un grillage. Non, Lila, tu n'ouvres pas la porte. Et le petit, il a compris aussi que ça se passait là. Je pense qu'ils se parlent, les chiens. Très bien, Lila. Ça, c'est un bon chien. Ça, c'est un très bon chien. Ouais. Voilà, et t'as gagné ton rappel. Voilà. C'est pas utile de le faire 50 fois, mais tu le fais de façon judicieuse. Tu as compris comment ça fonctionnait et du coup, ça marche. Et moi, je suis épaté. Hein. Non. Tu vas voir qu'on va pouvoir la lâcher avec les chiots bientôt. La peste. Et oui, elle lui a dit. Allez faire un tour de terrain. Voilà. Allez, vous allez faire un tour de terrain et vous allez marcher. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est du bon chien, ça. Ouais, voilà. Alors, si elle dérange, tu continues. Continue. Hop! Allez, reviens vers moi. Voilà, très joli! Allez, viens, on y va.
Voilà. Ouais, regarde comme le chien est concentré sur toi. Ça, c'est du bon chien. Appelle et avance. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est pour faire en sorte que ton chien il marche sans tirer. Voilà, très bien. Bien joué. Extrêmement bien. C'est très bien. Allez, vas-y, tu me fais un petit tour de terrain. Pose bien ta laisse. Voilà. Appelle-le, appelle-le. Voilà, vas-y. Voilà, très très bien. Et là, tu as ta marche en laisse sans tirer. Arrête-toi. Voilà, bien joué. Super. Allez, vas-y. Voilà. Allez, viens, papa. Hop. Et oui, ben la laisse, c'est une contrainte. Voilà, c'est bien. Très bien. Nadio, viens, papa. Voilà. Allez, marche. Très bien. Ne le quitte pas des yeux. Tu vas voir, il te dit tout ce qu'il va faire. Voilà. Voilà. C'est bien. Alterne. Tu le quittes des yeux, il te s'occupe plus. Nous, ce qu'on veut, c'est. Appelle-le et avance vers là-bas. Voilà, c'est bon. Hop, arrête-toi. Très bien. Voilà, c'est très bien. Si vous avez ces réflexes, appelle-le pour le relâcher. Tu as avancé d'un pas vers lui, je t'ai vu. Voilà, tu le relâches. Appelle-le. Voilà. Voilà, et tu relâches et tu dis va jouer. Voilà.